Un jour, j'étais là, je regardais ma vie, je regardais mon succès, les 35 millions de vues sur YouTube, artiste de l'année, les trophées et tout. Je regardais ma voiture. C'était un samedi, bon samedi, hein. Donc, j'avais envie de sortir, j'avais envie de kiffer, sortir, faire les bêtises. Oui. Mais il y a une voix dans mon esprit qui me dit, tu sors pas, tu restes là, tu bouges pas. Il s'est resté calme un moment, non. Et puis elle dit, Seigneur, j'espère que paradis là, ça sera chic, hein, pas là. Et quand c'est comme ça, Satan est pressé pour venir te dire, ouais, Joe, faut sortir un peu, tiens, ça fait quoi, amuse-toi un peu. Il oublie que c'est dans ça que tu es quitté pour venir te convertir. Et que quand tu étais dans tout son bruit, son brouhaha, les sorties, chaque jour, ta vie ne ressemblait à rien. Rien, rien de rien. Et comme aujourd'hui, Jésus a arrangé ta vie, t'a rendu un peu tout, il veut te ramener dans la boue, il veut te ramener dans les faux trucs. Faut jamais céder. Hé! Faut jamais céder, bro. On sait où on est guidé. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Laisse-le terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit la parole de Dieu. Laisse-le terminer. Toi-même, tu vas voir. De toutes les façons, on était dedans, on a vu déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on va venir nous expliquer ou bien qu'on n'a pas déjà expérimenté. On va retourner dans ce qu'on a vomi. Ce n'est pas possible. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyata. Ça veut dire première fois, ça t'a pris parce que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, si ça te prend encore, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Satan, tu nous as eu une fois. Tu vas chien nous avoir une deuxième fois. Paradis, là, nous tous on voit clair dedans.